Moi, j'ai lu sa biographie, celle du père Pérouse, et elle m'a aidée le matin, quand je me lève angoissée, à me tourner vers Jésus d'une manière que je n'avais pas imaginée jusqu'à présent, c'est-à-dire de donner rendez-vous à Jésus au mont des Oliviers et de savoir que, voilà, que Jésus a aussi été angoissé jusqu'à l'âme, qu'il a été aussi triste à en mourir. Et cette identification de Marthe aux souffrances de Jésus m'ont permis de trouver encore un nouveau chemin pour apprivoiser l'angoisse du matin. Donc ça, je pense que c'est un des milliers, des milliards de cadeaux qu'elle fait à chacun d'entre nous.